grave? Oui. Dans la série Sueur froide, nous vous proposons aujourd'hui Toi si je voulais, avec Gérard Jugnot, Julie Jézéquel et votre hôte Claude Chabrol. Just call our branch in Tokyo. You'll see. Yes, trust me. Vous m'avez demandé, monsieur le directeur. Oui, oui, Brogno, une minute, asseyez-vous. Yes. No. They paid cash, so don't worry. Yes. I'm telling you, don't sell, just wait. All right. Bye-bye. I call you back. Brogno, j'ai un travail urgent à vous confier. Oui, monsieur le directeur. Voilà, nous allons restructurer notre service international. J'ai besoin du bilan financier de toutes nos succursales européennes. Oui, pour le dernier trimestre, je suppose. Ah non, pour les 10 dernières années, sinon comment voulez-vous que j'ai une vue d'ensemble? Ah oui, c'est vrai, mais une vue d'ensemble. Je peux avoir ça ce soir? Oh ben, ce soir... Très bien, ce sera tout. Merci, au revoir. Merci. Tu viens déjeuner avec nous? Oh non, non, j'ai pas le temps, là. Merci. Bon, salut. Tiens, tu peux me rapporter un sandwich aussi? Oui, bah non, c'est pas la peine, j'ai pas faim. Une histoire à peine croyable, terriblement macabre et atrocement morale.
Je ne peux pas parler trop fort, parce que le héros de cette histoire s'appelle Philippe Brugnot, et c'est lui qui est au volant de cette voiture. Figurez-vous que ce type ne s'est jamais mis en colère de sa vie, ni maudit personne. C'est incroyable. Tout a commencé un jour d'hiver, à 13h43, sur une route départementale. C'est-à-dire ici et maintenant. Papier. Clignotant. Ça marche, chef. Feu stop. Ça marche, chef. Lanterne, code, phare. Ça marche, chef. Avertisseur sonore. Ça marche, chef. Je sais, j'ai entendu. Essuie-glace. Ça marche, chef. Je sais, j'ai vu. Vous venez d'où? Vous allez où? Écoutez, que vous vérifiez mon véhicule, mes papiers, c'est votre droit, c'est même votre devoir. Je m'y suis plié avec la meilleure volonté du monde. Enfin, en ce qui concerne mon itinéraire, je suis libre, non? Absolument. Alors, je viens d'où je veux, je vais où je veux. À condition de ne pas faire d'excès de vitesse. Là, je suis tranquille, je faisais à peine du 80. Non, vous faisiez au moins du 160. Mon collègue et moi, on vous a vu. Affirmatif, chef! Mais enfin, vous êtes complètement cinglé! Je... Oh là là. Excès de vitesse et insulte à gendarme. Ça va être un petit peu plus cher, ça. Et un petit peu plus long, si. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé. Regardez bien, c'est là que l'invraisemblable va se produire. Crève, salaud. Chef! 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 Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je sais pas, chef, vous pouvez bien crever aussi, moi. Ce soir, invité spécial de notre journal, Monsieur le ministre des Finances qui a une communication importante à nous faire, justifiée par la crise mondiale que nous traversons depuis plusieurs mois. Monsieur le ministre, nous vous écoutons. Bonsoir. Si j'ai tenu à venir vous parler ici à tous ce soir, c'est en effet parce que notre pays, ainsi que nos voisins d'ailleurs, traverse une crise grave, économique, commerciale, financière et sociale. La reprise, le redressement, espérés pour le mois dernier, ont été hélas d'un niveau inférieur à celui de nos espérances. Seuls nos efforts à tous parviendront à endiguer cette crise. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a été obligé d'augmenter de 28% les impôts pour l'année. Nous n'en payez pas assez. Crève, salaud. Mesdames, messieurs, c'est affreux. Monsieur le ministre des Finances vient de mourir d'une crise cardiaque. Cette nuit-là, Philippe Brugnot connut le sommeil le plus agité de toute l'histoire de la literie. Ce qui n'a rien de vraiment étonnant. Seule solution pour tenter de trouver le repos, dénicher une victime idéale et faire un test afin de vérifier ce qu'il commençait à pressentir avec effroi et délice. Il se mit à penser à une tante très éloignée, très avare et très antipathique. Le matin venu, il passa à l'action, non sans une certaine fébrilité. Allô, bonjour, c'est Philippe. Vous allez bien, Angèle? Oui. Vous pouvez me passer ma tante, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, ma tante, c'est Philippe. Vous allez bien? Oui, voilà, je vous appelle parce que... Bon, vous savez, j'ai une voiture assez vieille qui va pas tarder à rendre l'âme. Et il faut absolument que j'en change pour mon travail, ça c'est indispensable. Alors je m'étais dit,
Vous savez, les voitures sont assez chères de nos jours. Je m'étais dit que si vous pouviez m'aider un petit peu, enfin, me prêter, disons... Oui ? Non, bah, non, bien sûr. Non, je comprends. Non, non, je vais me débrouiller autrement. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ma tante. C'est ça. Au revoir, et bonne journée. Et surtout, une bonne journée. Au revoir, ma tante. Crève, salope. Allô? Bonjour, c'est encore Philippe. Est-ce que vous pourriez me repasser ma tante? Elle est morte? Combien de fois allez-vous donner des rendez-vous pareils? J'ai déposé ce dossier il y a plus d'une semaine, mais toujours pas de réponse. C'est incroyable. Écoutez, je vous assure. Écoutez, taisez-vous. Vous êtes inincapable ou quoi? Deux à ce poste pour faire ça, mais moi tout seul, j'en fais autant. C'est inadmissible, comprenez? D'ailleurs, appelez-moi quelqu'un qui... Hein? Bonne journée, Marie-José. Vous aussi, monsieur Philippe. Vous voulez me voir, monsieur le directeur? Oui, Brugno. Ça ne va pas du tout. Asseyez-vous. Oui, monsieur le directeur. Bon, je viens de lire le rapport de Maresco sur la gestion de la zone nord. C'est un tissu d'ânerie. Comment voulez-vous qu'on présente ça aux Italiens? Nos partenaires vont se foutre de nous. Alors, vous allez me reprendre ça de A à Z et me le présenter de façon un peu plus classique et rigoureuse. Hein? Mettez-vous au travail tout de suite. Allez. Ça, si je voulais. Qu'est-ce que vous dites? Moi, rien, monsieur le directeur. Si, vous avez murmuré quelque chose, là. Non. C'est votre cravate. Je trouve que la couleur est un peu voyante. Chacun ses goûts. Bonne journée, monsieur le directeur. Oui, Brugno, je voulais vous dire... Oui? Dites donc, vos pieds, là, vous n'êtes pas chez vous? Eh non, hélas. Vous êtes bizarre aujourd'hui. Vous trouvez, monsieur le directeur? Brugno, il me faut impérativement ce rapport pour ce soir. Ah non, ce sera pas possible. Non, je dois partir à 15h, je vais au cinéma, je suis fatigué. Pardon? Non, je plaisantais, monsieur le directeur. Mais vous êtes vraiment bizarre, ce type. Et je vais vous dire une chose. Oui? Je ne vous aime pas. Ah bon? C'est dommage. Ah! Au revoir, monsieur le directeur. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Un malaise? Oh. Philippe? Quelle surprise! Ah, Thérèse!
La surprise, elle est bonne ou elle est mauvaise? Bah bonne, bien sûr, idiot. Eh ben, remets-toi. C'est facile à dire, ça. Je suis ému. C'est vrai, quand on s'attend pas à voir les gens, ça fait un choc. Bah moi aussi, je suis ému. Qu'est-ce que tu crois? Tu m'aimes encore un peu, alors? Va savoir. T'es toujours aussi belle. Comme jeune femme, hein, parce que comme type, t'es pas terrible, mais comme jeune femme, non? Une belle jeune femme dans un supermarché. C'est un joli titre de roman de gare, ça. Non? Oui. Comment ça se passe avec ton garde républicain? Pas très bien. Je sais pas ce qui m'a pris le jour où je t'ai quitté. Vous avez un enfant? Oh non, heureusement, il en veut pas. Pourquoi tu dis heureusement? Parce que le jour où j'aurai des enfants, ce sera pas avec lui. Et il est violent, tyrannique, insatisfait, menteur. Et en plus, je crois qu'il me trompe. Enfin, j'ai eu tout fou, quoi. Et toi? Ah, c'est un peu spécial. Il m'arrive un truc assez ahurissant. Quoi? Voilà, c'est quand... Peut-être ne pouvait-il supporter de garder ce terrible secret pour lui, ou peut-être voulait-il le partager avec le seul être qu'il eût vraiment aimé. Toujours est-il que Philippe est en train de tout raconter à Thérèse. Non, je te crois pas. Je sais, c'est incroyable, mais je peux te le prouver quand tu veux. Bon, dis-moi à qui tu souhaites une mort immédiate et violente. Mon garde républicain. Non, quelqu'un d'autre, ça c'est déjà fait. Mon oncle Sam. Il est très riche, je suis sa seule héritière et avec sa santé de fer, il est pas prêt de mourir. C'est possible? Voilà. T'es riche. Non. Nous sommes riches. Ils devinrent assez riches, en effet. Appartement à Neuilly, voiture de luxe, train de vie, cigares. Mais ça n'était pas suffisant. L'argent appelle l'argent. Surtout lorsqu'il est facile à gagner. Que fais-tu, mon amour? Je note les propositions de viager. Quelle drôle d'idée, c'est pas bien ici? Si, mais ça m'empêche pas de noter les propositions de viager. Mais pourquoi faire? Il suffirait de choisir les plus intéressantes, de se porter acquéreur et disons de hâter légèrement le processus, non? Je ne suis pas un assassin. Oh, tout de suite les grands mots. Juste un petit coup de pouce au destin. Où est le mal, hein? Ils soulagèrent ainsi bon nombre de vieillards kakoshim pour qui la vie ne valait plus la peine d'être vécue. En retour, ils obtenaient pour une bouchée de pain, immeuble, commerce, propriété, dont la gestion réclamait tous leurs soins. Rapidement, ils amassèrent une fortune considérable, avec d'autant plus de facilité que leurs concurrents mouraient, les uns après les autres, de mort naturelle, classés sous la rubrique générale « crise cardiaque ». Ils se marièrent, s'installèrent dans un hôtel particulier, eurent de la domesticité et menèrent grand train. Mon amour. Bonjour, monsieur. Thérèse. Oui. J'ai peur. Nous sommes riches, très riches. Et notre vie est devenue un enfer. On se voit plus, on se croise à la sauvette. J'ai peur que tu t'ennuies dans tout ce luxe. Tu vas te détacher de moi. Mais mon amour, tu es fou. Tu sais bien que je n'aime que toi. Allez, t'inquiète pas. Au bureau, monsieur? Non, vous me faites faire le tour du bois, vous me ramenez ici. D'accord, monsieur. Thank you.
Si elle, mon mari. Je suis déçue. Oh, c'est pas du tout ce que tu crois, hein. Très déçue. Surtout, ne pense à rien. Ne pense à... Ah, Thérèse, qu'est-ce que j'ai fait, là? Thérèse, mon amour. Dis-moi quelque chose. Thérèse. Je t'aime. Assassin. Crève, salaud. Il n'a pas souffert. Oh, je sais bien ce que vous pensez, cette histoire est poilante, mais parfaitement invraisemblable. C'est vous qui le dites. D'après une statistique récente et fort sérieuse, il y a des tas de gens qui sont doués sans le savoir du même pouvoir que notre ami. Le pouvoir de vie et de mort par transmission de pensée. Vous, par exemple, peut-être avez-vous ce don. Vous n'en savez rien. C'est que vous n'avez pas essayé. Il a essayé pour voir. C'est facile. Vous pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas, vous dites crève, salaud, intérieurement, vous verrez bien. Allez, ne soyez pas timide. Sinon, vous ne saurez jamais si vous avez le don. Oh, les vaches ! Oh, vous êtes durs ! Bonjour chez vous !